Glovo Maroc, on est présent au Maroc depuis juin 2018. On a commencé par le lancement de Casablanca et après on a lancé d'autres villes comme Rabat, Marrakech et récemment on a lancé aussi Tanger. Donc on est présent sur les trois villes. L'accueil qui a été réservé à nos services est assez positif, qui nous a permis un peu de nous challenger encore plus pour améliorer le service et améliorer un peu la qualité de la prestation de livraison. Pour le moment, on est en train de fêter Ramadan avec les citoyens marocains. On a une offre assez spéciale pendant le Ramadan, quoi qu'il soit une offre où on a un bouton qui s'appelle Ramadan qui va permettre aux gens de se faire livrer les produits que généralement on consomme pendant le mois sacré de Ramadan. Pour la levée de fonds, effectivement, Glovo Monde a pu récolter 150 millions d'euros comme levée de fonds pour une série D. Donc, ces fonds-là vont aider à accompagner la croissance de Glovo. En ce qui concerne notre présence au Maroc, bien sûr, il est évident qu'on veut accroître notre croissance dans le pays. On veut se positionner dans ce pays et rendre Glovo accessible au maximum d'utilisateurs au Maroc. Donc cela nécessite une augmentation des effectifs, une augmentation aussi de la flotte, nécessite aussi une amélioration de du service et de la prestation, ce qui va nous pousser à innover sur nos process en interne ainsi que sur l'expérience utilisateur éventuellement. En ce qui concerne les challenges pour Glovo en général, je pense que c'est vraiment soutenir notre mission et savoir maintenir le degré de service qu'on a. Parce qu'on part un peu trop vite, donc il faut s'assurer que tout ce qu'on fait est bien et on le fait d'une manière qui est parfaite. Donc ça, c'est le challenge qu'on a pour Glovo en général. Alors, on veut éventuellement mettre Glovo à la disposition de plus en plus de gens au Maroc. Donc là, on est présent sur quatre villes. On a lancé Tanger récemment. Donc nous comptons maintenant nous développer à Tanger et développer l'activité à Tanger. Nous comptons aussi nous lancer sur d'autres villes comme Fès, Meknès et Agadir. On est en train d'étudier la faisabilité pour voir comment on peut servir ces gens-là et rendre Glovo disponible au maximum des Marocains.